à tous. Aujourd'hui, je suis à Valensole, dans les Alpes de Haute-Provence, pour les 52 ans, pour la commémoration donc de la rencontre du troisième type, vécue par Maurice Mas, un agriculteur de la région. Donc, avant tout, avant de vous présenter cette histoire, en fait, je suis avec Hervé, donc, bien évidemment, de Monde Mystérieux, que voici. Il est déjà à fond dans ses vidéos. Ah ouais, là. Et en fait, complètement par hasard, c'était pas prévu au programme, on s'est garé ici. Et en fait, on s'est garé à côté du musée de Maurice Mas, qui lui est consacré suite à son étonnante rencontre. Super. Une deuxième salle. Voilà. Ah, mais vous avez le programme. Tout plein d'articles. Voilà, ici il y a quand même des articles qu'on ne trouve pas ailleurs. Quoi. Sur internet, vous ne trouverez pas ce genre d'articles. Hein. D'où l'importance de venir sur place. Regardez. Bon, ça on trouve sur internet, j'ai déjà vu. Voilà, la trace laissée par l'engin que Maurice Mas aurait aperçu donc. Maurice Chassepoule, qui apparaît souvent sur internet en train de faire des interviews qui expliquent le cas de Maurice Mas. Super, franchement. Et c'est une surprise plutôt sympa, je trouve. N'est-ce pas, Hervé? C'était pas prévu, et donc voilà, on tombe sur ça. Comme vous pouvez le voir, regardez, c'est bourré d'articles en tout genre. Voilà, regardez, il y a des rapports qui racontent l'histoire. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Voilà. Donc, on va observer tout ça. On va prendre le temps de filmer, de photographier. Et peut-être qu'on va aller au bar où Maurice Mas avait l'habitude d'aller. Et ensuite, nous allons donc nous rendre au champ de lavande, à l'endroit même où a eu lieu il y a 52 ans, donc jour pour jour, cette rencontre de troisième type. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, nous sommes dans les rues de Valensole. Alors avant d'aller au bar où Maurice Mas avait l'habitude d'aller, on va d'abord aller à la mairie. Voilà, c'est ça, on va aller à la mairie. On va voir comment ça se passe pour la soirée ovni, ce qu'ils appellent soucoupe au bistou. On va peut-être traverser. Il y a beaucoup de monde. Là, on est vraiment au centre du village. Quoi. C'est ça. Alors, donc on nous a. Il y a un très gentil monsieur qui dans le musée nous a expliqué qu'il y avait un ancien ami de Maurice Mas qui. Apparemment qu'on peut le questionner, on peut le voir. Donc on va essayer de voir tout ça, on va voir si on peut lui demander une interview, on va voir comment ça se passe. Et puis voilà, l'aventure continue. Voilà, donc il y a de l'imprévu, voilà. on suit le cours des choses, on verra bien où ça nous mène. C'est ça, allez. C'est génial. On arrive à la salle polyvalente et on va demander quelques infos. La journée s'annonce. Donc truc de fou parce qu'on tombe sur Gilles Thomas. C'est un monsieur qui fait des conférences par rapport à Valensole et à tout autre, plein d'autres histoires concernant l'ufologie. Et en fait, il a été content d'être tombé sur nous parce que ça lui a fait plaisir de voir des jeunes qui s'intéressent à l'ufologie, à ce genre de thème. Et il nous a proposé carrément une interview, quoi. Donc, Gilles Thomas va nous interviewer, donc c'est vraiment une journée pour l'instant incroyable. Incroyable. Donc il est pas loin de 13h.
On va se poser quelque part, on va boire un coup, on va manger. Et on vous dit à tout à l'heure. Donc voilà, on est sorti du bar. Gilles Thomas il nous a accompagnés, donc on a parlé pendant plus d'une heure. Et donc là, nous allons nous rendre au fameux site d'atterrissage du 1er juillet 1965. Allez, c'est parti, à de suite. C'est pour ça qu'on va aller s'abriter là-bas. Donc voilà, nous sommes sur le plateau de Valensole. Désolé pour le vent, il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va aller, vous allez bien entendre ce que j'ai à vous dire. Parce que grâce à Gilles Thomas, en fait, quand on était au bar avec lui, il nous a indiqué l'endroit exact du lieu d'atterrissage de la soucoupe en, le 1er juillet 1965. Car, comme vous pouvez le voir, en fait, ils ont représenté la soucoupe dans ce champ de lavande. Or, ce n'est pas, d'après Gilles Thomas, l'emplacement exact. L'emplacement exact est dans ce champ de blé, puisque à l'heure actuelle c'est un champ de lavande. Mais bon, pour la représentation, voilà, ils ont décidé de mettre la soucoupe dans un champ de lavande, histoire de vraiment rappeler le lieu même de l'atterrissage. Mais en fin de compte, autrefois, il y a encore quelques années de ça, ici c'était un champ de lavande. Et aujourd'hui c'est un champ de blé, et c'est donc ici, entre ces deux petites maisons, que l'on voit à peine, il y a eu lieu donc la rencontre du troisième type, tant connu en ufologie. Et donc c'est ici que nous allons nous rendre pour vous raconter cette histoire. On se retrouve de suite. De lavande, donc entre ces deux petites maisons en ruine. Donc nous serions à l'endroit même de l'atterrissage de l'OVNI de 1965 dans ce champ. Alors ce qui est étonnant avec ce plateau de Valensole, c'est que c'est un plateau qui n'est pas dans une vallée, c'est un plateau qui est pour ainsi dire en haut d'une colline. Et c'est assez étonnant de voir ce plateau quand même à une certaine altitude. Je pense personnellement que ça doit jouer au niveau des énergies telluriques du lieu. C'est vraiment magnifique, hein. On a un panorama, regardez ça. Parce qu'il y a pratiquement, comme on est en hauteur, on est sur un plateau en hauteur. Voilà, les montagnes au loin ne se voient pratiquement pas, ce qui fait qu'on a une vue sur le ciel. C'est vraiment, mais voilà, normalement ce soir c'est prévu qu'il y ait une observation des étoiles. Et je pense qu'ici ça va être très très sympa. Donc on va rejoindre Hervé et on va vous raconter cette incroyable histoire de Maurice Mass à l'aube du 1er juillet 1965. Alors Adrien,
me fait plaisir d'être de nouveau avec toi pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes rendus sur le plateau de Valensole, qui est en hauteur, hein, c'est qu'il faudra le préciser, où il s'est passé donc l'histoire incroyable de Maurice Mas, cette rencontre du troisième type, que on va expliquer à ceux qui nous regardent l'histoire complète de comment ça a commencé, comment cette histoire a débuté. Alors cette histoire, ça a eu lieu à l'aube du 1er juillet 1965, aux alentours de 5h30. Maurice Mas était un agriculteur, cultiver la lavande. D'ailleurs, ce champ, autrefois, c'était de la lavande. Aujourd'hui, c'est un champ de blé. C'est pour ça que la maquette de l'OVNI a été placée dans un champ de lavande pour rappeler un peu l'esprit de l'époque. C'est ça. Mais c'est pas l'endroit exact. L'endroit donc exact de l'atterrissage, c'est entre ces deux ruines. Entre ces deux ruines. Voilà. Dans ce champ. Voilà. Ouais. Donc Maurice Mas, à 5h30, il est déjà dans son champ en train de travailler. Il est sur son tracteur. Et soudain, au-dessus de lui, il entend un son étrange. Un sifflement, une espèce de sifflement qui l'interpelle. Donc dans un premier temps, il se demande qu'est-ce que c'est. Il descend de son tracteur, il se retrouve donc à côté d'un clapier. Un clapier, c'est les tas de pierres que les agriculteurs regroupent pour nettoyer entre guillemets les champs. Et derrière ce clapier, donc dans ce champ, il aperçoit un engin assez étrange. Il confond ça dans un premier temps avec un hélicoptère. En s'approchant, il pense par la suite que c'est une Dauphine, les voitures d'époque. Hein. Donc, assez surpris, il décide de s'approcher parce que c'était à une centaine de mètres à peu près de lui. Donc, il décide de s'approcher et à sa grande surprise, il distingue un engin inhabituel de forme ovoïde, d'une taille de 3,50 m de long sur 2,50 m de hauteur. Le dessus de cette forme ovoïde est surmonté d'une coupole transparente, et en dessous de l'engin il y a un énorme pivot central surmonté par 6 pieds, des pieds stabilisateurs, je ne sais pas exactement la fonction, mais c'est ce que Maurice Mas décrit. Il s'approche et quand il est à une vingtaine de mètres, il distingue au pied de l'engin deux petits êtres. Alors dans un premier temps il pense que c'est des enfants parce qu'ils ont une taille d'enfant de 8-10 ans, un mètre de haut, un même mètre pas de haut, Donc il voit ces personnes, il pense dans un premier temps que ça peut être éventuellement des hommes, tout simplement. Et en fin de compte, quand il s'approche, il se rend compte que ce ne sont pas des hommes, ce sont des êtres qu'on peut apparenter au petit gris. L'apparence fait penser à ça, c'est-à-dire petite taille, maigrelée, une combinaison bleu-grise. Une tête disproportionnée, des yeux en amande, une bouche... La description typique des petits gris, quoi. Donc, il est évidemment assez surpris, il voit ça, et à un moment donné, les deux petits êtres se rendent compte de sa présence. Et il y en a un qui était accroupi au sol, en train de trafiquer la lavande qu'il y avait à l'époque. Pourquoi pas. Ce petit être se redresse, il se tourne vers lui, et il tend en fait un espèce de... Ça tombe bien que j'ai ça. Un espèce de boîtier cylindrique qu'il tend vers Maurice Mas, en direction de Maurice Mas, et instantanément ça le paralyse, de la tête aux pieds. Voilà, Maurice Mas est paralysé, il ne peut plus bouger. Voilà, il y a juste son regard, il est capable de tourner les yeux, de regarder autour de lui, mais il n'a plus le contrôle de son corps. C'est-à-dire qu'il veut faire un pas, quelque chose l'en empêche, il est paralysé. Les deux petits êtres, pendant quelques minutes, continuent, on va dire, leur examen, entre guillemets, puisqu'ils avaient l'air d'être en train d'examiner son champ de lavande. À un moment donné, ils partent. Alors, Maurice Mas, il donne des indications par rapport à leur langage. Il parle de sifflement, de sons aigus, étranges, beaucoup de gestes. Un langage peu familier, peu familier. Et à un moment donné, ces deux petits êtres reprennent place à bord de leur engin par une trappe. Donc ils les voient réapparaître sur la coupole qui est au-dessus de l'engin en forme d'ovoïde. Et l'engin décolle avec ce même son, ce même sifflement. Voilà. Et l'engin part à l'ouest en direction de Manosque. D'accord, qui est là-bas. Hein. Qui est dans cette direction, il me semble. Voilà. Plus vers là-bas. Ouais. Voilà. Et Maurice Mas, une fois cette rencontre du troisième type terminée,
il va rester paralysé pendant 10 à 15 minutes dans le champ, et petit à petit il va retrouver l'usage de ses membres. Réaction assez surprenante de Maurice Mas, c'est que il reprend son travail là où il l'avait laissé. Il remonte sur son tracteur et il continue son travail dans le champ. Ce qui est assez incroyable. Alors voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'histoire. Ouais. L'histoire qui a changé la vie de Maurice Mas et on va dire du plateau de Valence. Hein, il faut dire ce qui est. Et aujourd'hui, voilà, ce lieu, cette histoire a fait le tour du monde. Et ce lieu est très visité, alors on a pu le voir tout à l'heure, il y a énormément de touristes, énormément de Chinois. C'est clair. Donc, alors des Chinois, on nous a dit pourquoi, parce qu'ils ont tourné comme un sitcom chez eux, une histoire d'amour ici sur le plateau de Valensol, donc c'est pour ça qu'ils viennent en masse pour prendre des photos et pour acheter de la lavande, parce que c'est pour eux quelque chose, donc il y a beaucoup d'Asiatiques. Et puis voilà, ce lieu, suite à cette rencontre du troisième type, est devenu très connu. C'est ça. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a eu énormément d'histoires, d'histoires de rencontres du troisième type, d'apparition d'OVNI, mais il faut savoir que cette histoire est très connue. Alors peut-être expliquer un peu ce qui s'est passé par la suite. Alors Maurice Mas, quand même, ça l'a quand même travaillé, pour bien dire ce qui est. Il décide de rentrer chez lui dans la matinée. Il parle d'abord de cette histoire à son père, il me semble, mais il va par la suite en parler à sa fille. Et sa fille, très curieuse du récit de son père, va lui dire « Écoute, retournons dans le champ, voyons voir si ce que tu dis est réel, est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose ce matin-là ?» Donc il retourne avec sa fille, et effectivement, dans le champ, il y a une trace de forme circulaire, ouais. Avec une espèce de croix creusée au milieu, un énorme trou d'une quarantaine de centimètres de profondeur au centre. Par la suite, que fait Maurice Mas ? Alors, Maurice Mas, il avait l'habitude d'aller dans un bar du village de Valensol et il parle de son vécu à ses copains de comptoir. Hein. Et l'un d'eux lui dit carrément, écoute, s'il s'est réellement passé quelque chose, s'il y a des traces dans ton champ, préviens la gendarmerie. Parce que Maurice Mas, avant cette rencontre inhabituelle, un peu insolite, il avait déjà constaté du vandalisme, entre guillemets, dans ses champs, des lavandes qui avaient été prélevées. Effectivement, ça faisait quelques jours qu'il s'apercevait de ça avec son père, et il pensait que c'était du vandalisme. C'est ça. Tout à fait. Donc du coup, suite à ça, il décide d'aller voir les gendarmes, pour parler déjà de ce vandalisme, entre guillemets, et de sa rencontre insolite, il faut le dire encore une fois. Donc il va à la gendarmerie, il en parle aux gendarmes. Le soir même, les gendarmes vont sur place, ils constatent des traces, effectivement, au sol. Entre temps, parce que dans les villages, les nouvelles vont vite, pour avoir vécu dans un village, je le sais, les nouvelles vont très vite, donc le jour même, évidemment, il y a des curieux qui sont venus sur place, des voisins, ils ont observé, peut-être qu'il y a même des preuves qui ont été un peu abîmées sur place, on n'en sait rien. Toujours est-il que les gendarmes ont constaté, effectivement, comme quoi il y avait bel et bien des traces dans ce champ. Voilà. C'est ça. Et malgré tout, les gendarmes, dans un premier temps, ils vont penser que Maurice Mas essaie de monter un canular pour se faire de la publicité, pour se faire connaître, comme ça avait déjà été fait, il est vrai, il faut le dire, hein, dans le passé, des personnes qui ont inventé de toutes pièces ce genre d'histoire. Ça, c'est des choses qu'il faut préciser, Adrien. Il y a toujours eu des histoires qui ont été montées pour, il y a toujours des intérêts derrière, pourquoi ils l'ont fait, parce qu'ils avaient besoin de tel intérêt, etc. C'est ça. Ça, il faut le préciser. C'est ça. Donc, par la suite, on dira tout et n'importe quoi sur le cas de Valensol. C'est sûr. On parlera du canular, on dira que c'est la foudre qui a tapé le champ à cet endroit. Ça, on l'entend beaucoup. Il y a une histoire qui circule comme quoi ça aurait pu être un hélicoptère américain qui aurait décollé de la baie de Villefranche, de la 6e flotte américaine, et qui aurait atterri dans ce champ. Mais à ce moment-là, est-ce qu'un hélicoptère est capable de laisser des traces, dans un champ qui ont été visibles des années durant? C'est-à-dire que la trace n'est pas partie au bout de quelques jours. Durant les 10 années qui ont suivi, dans ce champ, la trace était encore visible. Je trouve ça quand même assez incroyable. Voilà, c'est des cas, on le verra très souvent sur beaucoup de cas, où les traces restent des années. Hein. Voilà. Des années. Le sol est pétrifié, dur comme du béton armé. C'est ça. Il y a des analyses sur la coloration, sur
la matière électrique du sol, géologique, il y a eu des modifications qui ont été faites au niveau du pH, il y a eu plein de choses qui ont été mesurées. Ce qui est quand même incroyable, et tu l'as dit, il y a eu quand même la sixième flotte américaine qui s'est ancrée dans le port de Fréjus, de Villefranche, pardon. Et là on peut se dire comment ça se fait. Hein, c'est quelque chose. D'ailleurs, c'était quelque chose qui déplaisait un petit peu à Charles de Gaulle à l'époque, hein, faut le préciser. C'est ça. Mais bon, là n'est pas le sujet. Non, mais bon. Mais toujours est-il que voilà, ces traces sont restées des années. Il y a eu des études qui ont été faites. Le sol a subi des modifications suite à cela. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'explique toujours pas le cas de Valensole. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est ça. C'est assez étrange. Ça reste un mystère. Cette histoire reste un mystère. Je pense, alors on pense, on en a discuté hors caméra, que Maurice Mass emporte dans sa tombe plusieurs... Parce qu'il les aurait revus par la suite. Apparemment, il les aurait revus par la suite. Hein, on pense même qu'il y a eu d'autres contacts, qui les a même peut-être aidés à certaines choses. Mais on pense à tout ça et on pense que... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Maurice Mass, qui était une personne honnête, sincère, a été changé. Suite au 1er juillet 1965, beaucoup de ses proches témoignent comme quoi ce n'était plus la même personne après cette histoire. Il a eu des effets secondaires. Il était magnétisé. Il faisait de l'hypersomnie, c'est-à-dire des nuits de 14 à 16 heures. Il dormait, alors que bon, en étant agriculteur, c'est pas pratique, étant donné qu'il faut se lever quand même très tôt le matin. C'est sa femme qui allait le sortir du lit pour qu'il aille travailler. Il a eu voilà, des effets secondaires suite à cela, et il a été changé intérieurement. Ça a été un homme changé suite à cela. C'est ça. Donc voilà ce qu'est l'histoire de Maurice Mass. Pour vous raconter dans sa totalité de ce qui s'est passé donc ce 1er juillet 1965, qui restera gravé ici à Valensole pour toujours. Et donc voilà, nous nous trouvons apparemment sur le lieu qui est derrière nous, où s'est produit cette rencontre inattendue du troisième type. Voilà. Peut-être quelque chose à ajouter concernant cette... Maurice Mass, par la suite, donc un an plus tard, il les aurait réaperçus, mais il y a tellement eu de publicité avec les médias, des personnes, des ufologues plus ou moins sérieux qui sont venus le voir pour qu'il témoigne de son histoire, de son vécu. À un moment donné, ça l'a tellement fatigué qu'il ne voulait même plus en entendre parler. Il a regretté d'avoir raconté tout ça. Et par la suite, apparemment, un an plus tard, il les aurait réaperçus dans son champ. Mais il n'en a parlé qu'à ses proches parce qu'il avait peur que cette vague médiatique ressurgisse. Et donc, il est resté dans le secret jusqu'à sa mort. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est tard, nous quittons Valensole, on est encore sur le plateau. Une journée incroyable, pleine de surprises, pleine de rencontres, d'émotions. On a vécu une super journée, du matin où on s'est levé jusqu'à ce soir. On va laisser passer la voiture. Et voilà, donc, sous les étoiles de Valensole, voilà. On va rentrer chez nous tranquillement. Bah écoutez, sur ce, on vous dit merci à tous. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis, merci à tous. À plus. À plus, bye. Ciao. Ciao.